Bonjour tout le monde. Nous avons tous étudiants centre pilote, JB Damier, centre polyvalent et tout le centre professionnel de l'État. Nous avons une conférence de presse. Pour nous remercier tout le monde et toute notre entité qui a aidé nos batailles et travail dans un gros problème qui a ravagé le centre professionnel de l'État depuis les petits concombres de Goumé et de Bérégène. Problème côté dans le système professionnel là, il y a un professeur qui a bourriqué plus de 20 ans qui n'a pas de jambes nommées. Même gens et même qui n'a petit personnel, année allée, année tournée. Grève allée, grève tournée. Trêve allée, trêve tournée. Accord sur accord, mais rien pas de jambes arrivé fait jusqu'à ce que nous arrivions dans une terrible grève. Nous avons lancé sous Rey Madame Maggie Diessé. Dans la tête INFP et ministre Agenor Kade. Depuis novembre 2017 passé, côté yote dit, depuis revendication ou pas passé, rien pas fait, yon pas idéologie ou intelligence yon, pour yote capable bataille et puis pour te revendication étudiant yon qui se. Politique estage, pour l'État mette en faveur yon et l'autre entité qui travaille dans le même domaine après yon fin apprendre métier à pas apprendre. Pour l'État mettre pour eux meilleures conditions pour apprendre 8 ans. À courant qui n'a pas gagné dans le pilote depuis octobre 2017. C'est ça qui fait jeudi à nous bailler conférence de presse. Pour nous remercier les professeurs, mon petit personnel, directeur SAT, et mon administration, la presse qui te ban nous parler, étudiants qui t'a aidé nos batailles, la police qui était toujours là pour ban nos sécurité. Un remerciement spécial pour madame Maggie Diessé et toute équipe li nan INFP qui fait gros travail, qui fait un gros travail. Ministre Agenor Kade, premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui permet en pile nomination faite pour professeur yo ak mam petit personnel yo. C'est grâce à travail ça, je dis à l'école professionnelle yo retourner ouvert porte yo. Cependant, n'a demandé responsable yo pour yo continuer dans même lancer ça. Pour yo pas oublier reste revendication yo qui c'est bon côté professeur membre personnel yo ak étudiant yo. Nous allons commencer année 2018 et 2019 là, comme les précédentes en fait deux années, dans des conditions extrêmement difficiles. Et l'Europe Gadé est à lycéen, il est toujours dans un état de délabrement, d'insalubrité. Donc, dans des conditions d'apprentissage, eh bien, ne sont pas réunies. C'est vrai. Donc, autrement dit, élèves yo pas dans des conditions idéales d'apprentissage. Et là, comme chaque année, en fait, d'ailleurs, direction 1, et avec contribution, en fait, à scolaire par an, c'est avec lui pour que nous sommes capables de faire des réparations. Ou gagner des plywood, qui ne peuvent plus tenir, qui accusent le coup, de même que des tôles qui trouvaient, ok? Eh bien, là, c'est pas soleil qui déclarait Timounou la guerre. Eh bien, mon frère, c'est la pluie. La pluie, en fait, est tombée par rapport à Tolio qui trouvait, eh bien, on gagne de l'eau qui tombait, en fait, dans la salle, en fait, de classe. Yo. Bien évidemment, moi, j'ai fait et acheté, de même qu'en fait, des tôles pour que nous capables. De quelle mesure nous est capable de limiter en fait les dégâts. Donc nous espérons que Anessa, c'est à pour de vrai que vous êtes capable de construire ici. D'autant plus que au niveau de la direction, nous fait des recherches suite à demande que le ministère a fait non pour nous dire dans quelle mesure nous sommes capables de joindre un espace qui est approprié pour être capable de construire un lycée et à la dimension du père fondateur de la patrie, un lycée qui répond aux standards et aux normes, n'est-ce pas, internationales, un lycée qui est capable de gagner laboratoire d'informatique, laboratoire de physique et de chimie, capable de gagner laboratoire de langue.
langues, auditorium, bref, un lycée digne, n'est-ce pas, en fait, de ce nom, qui est bien équipé, bien outillé, de telle sorte que élèves et professeurs adéquats. Troisième journée ouverture classe pour l'année académique 2018-2019. Comme c'était prévu, lancement les fêtes lundi matin, staff direction était là, directeur en tête avec reste membre personnel là, pour nous faire le lancement ouverture classe là. Mais malheureusement, nous n'avons pas de gain effectif pour réouverture. Normalement, il y a quelques élèves qui étaient là, soit que pour groupe fondamental ou secondaire, il y a quelques élèves qui étaient là, mais vraiment, élèves n'ont pas encore réuni. Et même en tant que professeur, ils n'ont pas encore fait acte de présence. Donc jusqu'à présent, lundi, nous avons fait lancement. Encore hier, nous étions là. Mais aujourd'hui, nous, selon Jean, l'activité a passé et lundi et hier. Donc, nous toujours là, comme ordinaire, mais l'activité n'est pas allée normalement. Cela veut dire donc que, au départ, on a plus à attendre. Deuxième semaine, mois de septembre, à bien l'école là plus ou moins. Bon, si je ne dis pas moi-même qui a attendu, mais. Selon le constat, jusqu'à présent, nous étions à espérer deuxième semaine, qui dit lundi, qui appelle 10 septembre, là, pour ouvrir la fête normalement, parce que nous espérons que Timounio, qui, pour une raison ou une autre, pour l'autre, ils étaient encore fait aux réserves, ils n'ont pas encore présenté, et professionnels, tout. Pour l'année à capable de démarrer. Nous n'avons pas fini toute bagaille OK là pour redémarrer. Là. Parce que, par exemple, nous gagnons des pliants qui ont préparé pour les vieux. Nous avons préparé un valet qui était là. Parce que, par exemple, des pliants qui pour anciens élèves, ils étaient en fait déjà. Mais qu'on est là, pendant que ce maintenant, l'activité est pour commander normalement. Donc, entre-temps, directeur, ensemble avec quelques restes membres dans l'administration, ils ont fait des marches pour être capable de finaliser pour tout élève, soit que ancien ou nouveau élève, pour qu'ils puissent joindre des pliants dans la deuxième semaine, là, normalement. Et tant que censé année, ça, lycée Toussaint prêt pour l'accueillir, combien d'élèves ça? Bon, selon dire ministre Lan, par classe, nous avons possibilité pour nous accueillir 60 élèves. Or, dans la vacation à Emnan, nous avons près de 21 salles. Donc, multiplier 21 par 60, ça est capable de faire une approximation de quantité d'élèves que nous avons supposé recevoir. Mais, avec demande, qui des fois surpasser ça que nous-mêmes nous t'a capable faire. Donc c'est sûr que l'IGN doit gagner en plus, comme on dit, tout dépend de l'arrangement et puis lui-même directeur à liste qu'il gagne en main, ça va permettre que l'IGN doit faire quelques ajustements par rapport à effectif, ministre Lanta passé ordonnance pour nous gagner par classe, mais moi-même, moi fais estimation, 21 salles par 60, donc il est capable de faire un effectif normal. On a souhaité que l'élève moins haut a continué ben moins une amélioration dans le comportement. Par rapport à l'année qui était précédente, l'année dernière, moins a gagné un staff élève abordable qui n'est pas vraiment. Hors de désordre ordinairement, mais nous avons gagné que vous attendez, même lorsque nous avons gagné filtration. Donc nous avons souhaité que l'élève qui a fait filtration, il a peut-être fait façon peut-être bail lycée en chance et l'élève lycée à lui-même pour travailler normalement. Soit vous tout pareil. D'assurer que tous les parents ont songé que les gens de l'école ont soutien par eux. Pas
quitter Timounio seulement vin l'école, mais rendre compte que Timounio a étudié. Parce qu'en pile parents qui toujours faire ça, c'est le Timounio pour te carnet pour lui, la carrière n'est pas passé, et puis c'est les aïeux qui ont pris le bâton. Ce n'est pas le carnet à vide ou le bâton, pour parents le bâton, mais c'est surtout le Timounio. Si c'est étudié ou remarqué Timounio n'a pas étudié, il faut avoir courage pour dire moins ou pas étudié, prends-le-vous. Si c'est le ça va taper le map d'accord. Mais si c'est dans le moment où on a pas de carnet, le ça a un moment qui est en train de passer, ce n'est pas le ça va caler le monde. Si tu as parlé pour parents, map dit tout, ce n'est pas seulement parents, mais professeurs. Nous, pour professeurs, vous devez rappeler que vous avez une tâche qui est noble dans la main. Demain, si Dieu veut, nation dépend de vous. Il dépend de moi-même, il dépend de professeurs qui ont bâti une formation. Donc, faut professeur, pendant qu'on a parlé pour parents, il est capable de faire à l'étude de la caille, mais faut professeur, tout, il va être une chance pour être capable de venir et joindre ça, il est à deux jeunes. Nous avons toujours comprendre, professeur, il y a un pile de bagages, il y a besoin. Tant que moi-même, en administration, il y a bagages, moi, j'ai besoin des fois pour fonctionner au niveau administration, il y a bagages, pas gagné. Donc, normalement, moi supposé faire demande. Demande ne doit pas aboutir, mais encore renouveler. Donc, professeur, il y a une demande, bon côté par eux, il y a des bagailles qui ont besoin de résoudre entre eux-mêmes et l'État. Même d'a tout souhaité que professeur nous y rende compte pendant qu'il y a fait revendication, il y a fait demande qui est important, mais songez, quel que soit ça, il y a le fait que gagne un jour, gagne jeudi, gagne demain. Gain année ça, gain année prochaine, gain après 10 ans. Donc après 10 ans, nation va demander corps professeur ça yo qui ça t'a fait parce que les nations n'ont pas gain monde qui formé la patrie. Qu'il y ait tout parent, élève, directeur et camarade professeur yo. Nous prenons la presse jodi a pour nous dénoncer mauvais état système éducatif haïtien qui pas répondre à mission éducation. Qui c'est changer pour créer une société qui jambe et qui gisse socialement et économiquement. Éducation t'a doué un moyen qui permet moun développer dans plusieurs domaines culturel et dans système éducatif là, fait système ça tourner un système kokobé. Un système kokobé qui produit kokobé à crébété intellectuel. Et nous demander pour l'état bay petit peuple là bon gens l'éducation. Pour ça fait faut que nous former et recycler tout enseignant yo parce que nouveau gen système nouveau secondaire gen enseignant c'est tâtonné a tâtonné la donne même l'état a tâtonné la donne dans système ça tout dans sens ça nous mandé pour l'état inscrit dans nouveau budget qui a venir là 50% dans budget national là pour réformer système éducatif haïtien pour nous capable gagner haïtien nous former avec Mac Fabrique nous parce que nous copier trop. Nous copions trop sur l'autre monde, sur l'autre pays. En Haïti, nous pas formé citoyens qui sont conscients de la réalité sociale. Haïti, nous sommes pays qui ont des aléas sismiques et cycloniques chaque année. Nous connaissons ça. Mais dans l'école, dans le programme d'éducation nationale, est-ce que y a une formation qui peut permettre à les gens de faire natation, qui permet à les gens de gestion des risques des désastres, qui permet à les gens de connaître qui ça pour faire les tremblements de terre et autres. Dans ce sens, nous besoin haïtiens qui sont conscients et conséquents pour nous capables de développer le pays. Nous. Aucun pays pas développé avec l'aide internationale. C'est ça que fait, c'est nous-mêmes qui pour mettre ensemble, nous-mêmes garçons, garçons et femmes voyants, pour nous capables de développer le système éducatif nous, qui pourra le faire nous gagner un citoyen conséquent pour nous capables de développer le pays. C'est un projet de plan parrainage et assistance scolaire pour 1500 personnes qui sont défavorisées dans trois communes dans le département de l'Ouest. Commune Port-au-Prince, commune Cité-Soleil, commune Croix-des-Bouquets. Dans la commune Croix-des-Bouquets, nous prenons 500 personnes. Dans la commune Port-au-Prince, nous prenons 500. Dans la commune Cité-Soleil, nous prenons 500. Mais dans chaque commune, nous prenons une grande école comme échantillon. Dans la commune Port-au-Prince, nous prenons l'école primaire d'Alfos, qui est une jeune INEPA, et lui-même nous prenons comme échantillon. Dans la commune Croix-des-Bouquets, nous prenons des maisons de l'homme comme échantillon. Dans la commune Cité-Soleil, nous prenons institution mixte des AE comme échantillon. Si nous prenons un cahier, livre, crayon, avec un bec, et si nous avons un livre, nous ne pouvons pas planifier un livre comme ça, nous avons récupéré un livre chaque fin d'étude.
et puis l'autre petit monde qui va entrer dans le programme là n'a pas au livre là mais pour petit monde ça pour petit monde n'a participé dans le programme là faut qu'il ait 5 ans ou 6 ans programme là complète dans commune Port-au-Prince temps là m'a répété encore nous prenons 3 écoles comme échantillon. Nouvelle école primaire d'Alfosa qui n'a rien monté et qui vont nous jouer n'est pas. Ça n'est commune Port-au-Prince. Dans la Cité Soleil, nous prenons institution mixte des AE qui n'a pris 6 dans la Cité Soleil. Nous prenons et Demis Vadelom qui n'a croix des bouquets dans Marais Vendée. Nous répétons encore. Pour les gens qui participent dans le programme, ça faut qu'ils aient 5 ans ou 6 ans. L'autre l'école nous commence à travailler ensemble avec eux, qui est dans la commune Port-au-Prince. C'est l'institution mixte Agape qui n'a venu Foucha. Univers des pensées qui n'a rimon Seyegiou avec centre classique renouvellement classique et centre renouvellement classique communautaire qui n'a formé crédit avec les univers des pensées qui n'a rimon. Des semaines depuis assainissement lancé dans l'AREA. Et comme nous, même dans le PMTK, nous avons promené un autre bagaille, comme une structure organisée. Et nous disons qu'il faut que nous bataillons pour pouvoir capable arriver à atterrir sous peuple là. Et si nous, même que structure organisée, nous avons lancé pour peuple là, nous avons bien l'air, nous avons méchant en pile. Eh bien, c'est une raison qui fait ouais, nous-mêmes, étant que représentants de PMTK, nous permettre assainissement arriver sur maman, papa, petite, qui get. C'est une raison qui permet PMTK, ouais, bagaille, yon l'autre gens, parce que livré aller dans la vision président de la République la gagne pour permettre chaque grand petit monde entrer à l'école comme ça doit. Mais qui j'en fais, c'est seul nous-mêmes. Même si tout le monde qui existe, c'est seulement PMTK qui. Mettez qui prie au assainissement dans la rue. Comment va-t-il seulement? Je veux dire à qui ça en pile monde doit comprendre dans sacré les mouvements ou bien stricti et politique qui gagne en dedans pays. Et nous-mêmes, étant que dirigeant PMTK, nous faisons un choix. Choix par nous, c'est ouais et comment nous capables d'aider le président à atterrir avec ça comme vision et lui-même qui investit dans eux. Et gien en pile malfoi chaque fois le fin investi na yo qui kembe tout ça gien li investi yo et après les bagay ti zanmi yo pas arrivé sous peuple la vrai pour capable déstabiliser pouvoir en place là nous même nous dit non ça va pas faire comme ça il suffit que nous faisons l'autre bagay nous faire nous dit une fois que yo et PHTK point et yon bagay li remet avec PMTK qui c'est une plateforme structurée une plateforme qui organisée qui sont à dedans PHTK, il suffit que nous-mêmes nous faisons arriver sous peuple là comme ça doit. Okay. Et vous-même, je dis à la, comment vous voyez ça dans la vie? Bon, moi-même, c'est avec un sentiment de joie, fierté, et pour nous mettre les gens dans la ria. Et parce que ça fait deux bons jours, depuis un pile, on a plein que l'assainissement a lancé, il n'y a pas de pièce pour nous dans la rue. Et nous-mêmes, pour bien dire, ça qui fait ces jours ouais, nous dans la rue, c'est parce que nous avons des matériels, nous avons rivé dans la pour nous être capables de rendre et nous avons plus de monde dans la rue. Et bon, et son fierté pour nous, parce que nous avons un pile de monde qui dit non, et nous n'avons pas de acheter matériel scolaire pour que nous puissions entrer à l'école. Avec ça, nous fait là, nous ne sommes pas pour nous, parce que nous avons un pile de subventions qui lancé. Mais il y a un peu de monde dans le quartier défavorisé, dans le quartier populaire, c'est parce que ça n'a pas arrivé sur eux, parce que nous avons trop mal foi qui pas de bataille pour permettre le projet président Gagné arriver sur le peuple. Il y a un peu de monde qui est capable de gagner assainissement, mais on ne pas connaître. Quelqu'un, mais nous-mêmes, nous voulons que c'est vraiment la venue et pour faciliter entre les deux. Beg, quelques livres. Pour être capable de mener tout le monde à l'école. Ok. Attends, nous c'est que l'école là va entrer dans un environnement vraiment qui est agréable et tout le monde ne peut pas respirer mauvais l'air et que par autour à bien un bagage tout qui choisit pour mettre dans la valise tout le monde. Honneur et mérite décerné à Monsieur Aris Benjout pour les services rendus à la communauté haïtienne
dans le domaine de la circulation routière, 37 ans, de dynamiste de savoir-faire, nous vous en sommes reconnaissants. Port-au-Prince, le 5-08-2018. Mais je trouve pas d'immédiat. Je n'ai pas vraiment de mots à dire pour le moment, parce que je suis sur l'émotion. Je ne m'attendais pas à ce genre de surprise. Ce que j'ai pu dire, c'est dire que si Dieu me donne encore, m'accorde encore la chance d'être en vie, je resterai toujours plus près de la NEC que loin. Parce que je travaille à la circulation pour le bien-être de toutes les auto-écoles sur la place. La loi fait obligation à tous, dans le décret du 26 mai 2006, dans les articles 41 et 46, de se rendre dans des écoles de conduite pour avoir un permis de conduire et connaître toutes les dispositions contenues dans le code de la route. Depuis des années, nous constatons que les auto-écoles sont de moins en moins fréquentées et les permis de conduire sont délivrés de façon déloyale et illégale. Fort de ce constat, la NEC a entrepris des démarches. 1. Le 5 mars 2018, une correspondance a été adressée à M. Carmel Florent, directeur du service de la circulation 2018. La NEC a fait sortir une note de presse précisant les démarches à entreprendre pour l'obtention des permis de conduire et notamment les écoles de conduite. 2. Le 24 avril 2018, une correspondance a été aussi adressée au directeur de la DGI, M. Miradé Morlan, un opérateur de ce système dont nous accusons réception, mentionnant 5 points. Des citations à faire. Cependant, aucune suite n'a été faite et aucun changement n'est net. Afin un deuxième rappel à la population du danger imminent relatif aux accidents et appel des organismes étatiques à prendre des décisions rapides pour rétablir l'autorité de l'État et mettre fin aux dérives. Et c'est dans l'intervalle, une autre rencontre a eu lieu avec le directeur du service de la circulation. Nous voulons parler de M. Carmel Florent. Nous promettons qu'il allait rencontrer les responsables du ministère des Finances et de la DGI afin que des décisions immédiates soient prises. Et là encore, aucune réponse. Et le dernier acte posé, c'est une troisième, dans notre de presse, le 20 août, attirant l'attention de tous, exprimant sa douleur face à la mort de beaucoup de citoyens liés aux accidents de la circulation et proposant 7 points de sortie. Aujourd'hui, nous voulons rappeler à la population qu'elle est la principale victime. Nous voulons demander aux autorités de passer de la parole aux actes. Nous voulons un service circulation autonome qui n'est pas politique, mais technique. Au fait, nous demandons également aux autorités de cesser de livrer des permis de façon déloyale. Les auto-écoles sont des institutions importantes dans la vie de la société, alors qu'ils voient partir des citoyens vers l'au-delà. Nous demandons à ces institutions, Service de la circulation, MDPTC, les mairies, les mairies, la sécurité publique, la justice et toute entité concernée de travailler en synergie pour pallier à cette situation. C'est l'heure de comprendre que tout passe par l'éducation et la formation. Enseignons les valeurs de la circulation routière à nos fils en passant par les auto-écoles. Renforçons cette institution. Les auto-écoles traversent des moments difficiles et même très difficiles. Elles sont sur le point de fermer leurs portes puisque l'État ne fait pas qu'à d'elles. Elles réclament un lieu pour pratiquer avec ses apprentis conducteurs alors que l'État donne que des prêts soient accordés aux auto-écoles pour que leur parc d'automobile soit changé. Nous demandons aux instances de tutelle de soutenir les écoles de conduite de sorte qu'elles soient
ce qu'elles sont dans les pays nord-américains. Zéro aussi que la taxe perçue par la DGI, qui est la Direction Générale des Impôts, 2500 gourdes pour les permis, est exorbitant. Et qu'il est impossible que ce montant soit gardé dans le budget 2018-2019. En résumé, l'association souhaite, 1. Qu'un vaste mouvement de sensibilisation soit fait autour de l'éducation routière, en passant par les auto-écoles. 2. Qu'on cesse. 3. Que le service de la circulation reste et demeure un service technique et non politique, tout en comptant qu'il sera autonome. 4. Que des prêts soient accordés à ces institutions pour répondre à leurs exigences. 5. Que toutes les normes de la circulation soient appliquées sans distinction aucune. 6. Que l'autorité de l'État soit rétablie à tous les niveaux. Nous lançons un sonnette d'alarme avec le gouvernement pour que la circulation dans le pays qui représente la société, qui c'est miroir société, il y a un indice de développement et de civilisation. Mais c'est bien malheureux, l'État a banalisé cette question combien cruciale. Jusqu'à présent, aucune politique de circulation n'est appliquée en Haïti. Alors que nous avons un comité interministériel de sécurité routière. Ça n'a pas demandé aujourd'hui là. N'a demandé que DGI pour bay moun yo chance puis elle apprendre conduire parce que nous connaît que c'est DGI qui imprime permis yo. Moun yo pas passé dans étape procédure yo aller dans DGI direct. N'a dit l'État à chaque fois investit $1 dans formation conducteur ou gagne $3 qu'on pral comment dire gagner dans réduction accident qu'a fait sur route yo. Ministère Finance également, qui empruntait même voie à DGI, n'a pas demandé au cesser de livrer des permis illégaux et déloyaux. On nous fait une politique ensemble, gouvernement, pour nous voir comment que nous sommes capables de diminuer la quantité d'accidents qui ont fait sur route. Parce qu'en pile, il faut mettre l'auto-école responsable. Mais l'auto-école, il n'y a pas joué un rôle vrai. Et n'a pas demandé service circulation. Qui c'est collaborateur annexe. Mettez garçon dans taille pour le gérer avec auto-école, pour ne pas gérer sans auto-école. N'a pas dit l'État, je dis, circulation, son gros question que lié. C'est plusieurs institutions qui doivent travailler ensemble. Jean conseiller à ce dilan là. Mairie qui rôle li dans gérer circulation. Service circulation, veiller sous comportement chauffeur. Secrétaire d'État à la sécurité publique, assurer la sécurité sur la voie publique.